tutoriel vidéo pour voir comment représenter graphiquement une loi binomiale avec la Casio 35 Plus. Avant de voir directement le tutoriel, on va quand même se mettre d'accord sur la méthode. On le fera jamais à la main parce que ça devient vraiment trop compliqué. Les ordinateurs maintenant nous dispensent, nous font grâce de tout un tas de calculs inutiles. Mais il faut quand même bien comprendre qu'on peut représenter graphiquement une loi binomiale comme on représente une fonction. Mais attention, ici on n'est pas d'un caractère continu, donc on va pas faire une courbe en reliant, on va faire un diagramme à bâton, en plaçant sur les abscisses, eh bien, mes antécédents, c'est-à-dire les valeurs prises par la variable aléatoire, et en ordonnée, on pourrait dire mes images, si on raisonne comme une fonction, c'est-à-dire les probabilités correspondantes. On observe, et ça on pourra le faire à la suite avec, en ayant représenté quelques-unes, que lorsque n est assez grand, lorsque le nombre d'expériences est assez important, la courbe forme une sorte de cloche, et la cloche, elle est centrée autour de l'espérance de la variable aléatoire. Ce résultat n'est pas fondamental, mais il peut être pratique à observer quand on aura, nous donnera des représentations graphiques. Cela pourra permettre de valider ou de vérifier un certain nombre de résultats. Il n'est pas inintéressant d'avoir ça en tête. Ma cloche est centrée, ce qui est logique, en fait, autour de ma moyenne. On va procéder à un exemple. On se donne grand X, une variable aléatoire qui suit une loi binomiale de paramètres 5 et 0,4. On veut représenter donc par un diagramme en bâton, et donc on va commencer par afficher les valeurs de ma loi binomiale, P de X est égal à K, pour tous les entiers, compris entre 0 et 5. On comprend bien que si N est égal à 5, ça veut dire que je vais jouer 5 fois, je vais faire 5 épreuves consécutives, je peux avoir entre 0 et 5 succès. Prenons que le menu Stat, une fois le menu Stat ouvert, il nous reste des listes d'exercices précédents, ce qui peut arriver. Il suffit de se mettre sur des listes correspondantes et de faire F4 pour supprimer toutes les valeurs. On supprime toute la liste 1, del A, toute la liste 2, et maintenant on est assuré d'avoir un fichier vierge. Dans la première liste, on va rentrer les valeurs correspondantes aux valeurs de ma variable aléatoire, donc les antécédents, on a dit qu'on allait de 0 à 5, voilà qui est fait. Pour déterminer dans la deuxième liste les valeurs données par la loi binomiale, il va falloir bouger avec F6 pour déterminer dist, pas très intuitif, qui nous fait apparaître bin pour binomial. Et là, cela a déjà été montré dans une autre vidéo, nous allons pouvoir rentrer des paramètres de notre loi binomiale en appuyant sur F1, B, P, D. La liste des valeurs de ma variable aléatoire est bien dans la liste 1, le nombre de tirages est bien égal à 5 et ma proba est égal à 0,4. Il faut sauver les résultats dans la liste 2, c'est bien là où je suis, je peux descendre, attention, donc il faut peut-être le changer par défaut, c'est pas ce qui est marqué, et on exécute. En appuyant sur F1, on arrive à ce menu-là, mais c'est pas celui-là qui m'intéresse, on va faire Exit deux fois de suite, Exit, Exit, et voilà, me voilà revenu maintenant à mon menu statistique, et j'ai là la loi de probabilité de ma loi binomiale correspondant aux paramètres donnés, n est égal à 5 et p est égal à 0,4. Je peux maintenant faire la représentation graphique en appuyant sur F1. Je vais aller dans le menu 7 à droite pour vérifier le calibrage et être certain d'avoir exactement ce qu'il me faut. Le type de graphique scatter, c'est donc un ensemble de points, c'est exactement ce que je veux, je ne veux pas une courbe continue. Si je voulais une courbe continue, je pourrais appuyer X, Y, ce n'est pas mon objectif ici, on en a parlé tout à l'heure. Il y aurait d'autres formes de représentation graphique sur lesquelles on ne va pas s'étendre. Scat nous va très bien. Les valeurs pour les X, mes abscisses, sont bien la première liste. Liste 2, mes Y, très bien, on peut continuer, tout va bien. On peut jouer sur le mode de représentation graphique et la qualité du point. Tout nous va très bien, on exécute. Et on peut faire graphique 1. Et voilà donc la représentation graphique de ma loi binomiale, de paramètres 5 et 0,4. On voit qu'elle est un petit peu en forme de cloche, et on se rend compte quand même de la propriété qu'on a vue tout à l'heure. X est égal à 0 est ici, X est égal à 1, X est égal à 2. Ma cloche est légèrement, est quand même centrée pour la valeur 2 de ma variable aléatoire. Et si on calcule l'espérance de la loi binomiale avec laquelle nous travaillons, 5 fois 0,4 fait 2, on observe bien que ma petite cloche est centrée sur la valeur moyenne, soit grand X est égal à 2. Il n'y a pas un grand intérêt non plus à faire des représentations graphiques à la calculatrice, elles sont peu exploitables évidemment sur une copie, mais cela peut vous permettre de vérifier, dans un énoncé donné, si on vous demande de juger ou d'estimer telle représentation graphique par rapport à telle autre, le fait de pouvoir en faire une sur votre calculatrice vous permettra peut-être de comparer ou de vérifier certains résultats donnés sur un énoncé.